Bonjour, comment fait-on? Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai créé un repose-gaule ou un repose-lancet pour la pêche. Alors, très simple, il m'a fallu, je vais m'approcher, il m'a fallu un bout de bois que j'ai récupéré dans la forêt aux alentours de chez moi. Bon, enfin, vous pouvez récupérer un bout de bois classique. Puis, j'ai récupéré un autre bout de bois que j'ai découpé sur la longueur, en fine épaisseur, comme vous pouvez le constater, mais vous pouvez très bien mettre un litho. Je les ai pointés. De cette manière, vous pouvez mettre une gaule ici et une gaule ici, à venir poser tranquillement ou à lancer. Évidemment, vous pouvez le faire plus bas si vous le voulez. Et pour maintenir le tout, j'ai simplement mis un bout de bois qui fait office de contrefort. Et voilà. Un truc tout simple, mais qui peut être super utile quand on pêche et qu'on n'a pas d'ustensiles qui coûtent souvent très cher. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées et à bientôt sur Comment fait-on?